Je voudrais à tous souhaiter les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ cordialement et souhaiter à tous les bienvenus et aussi nos frères et sœurs qui dans le monde entier sont connectés par l'Internet. Nous les saluons d'ici aussi, oui, beaucoup cette fois-ci ce sont se sont enregistrés et ont salué et qui sont liés avec nous par la connexion. Beaucoup sont connectés cette fois-ci. Du frère Jean-Claude de Durban, nous avons les salutations. Ensuite, du docteur Lottie Kahn de l'Australie. Des frères Anderson de la Nouvelle-Zélande. Ensuite, nous avons frères et sœurs Ellis de Edmonton du Canada, du frère Jung de Denver, aux États-Unis, du frère Gratian de Astot, Israël, du frère Mercios de Haïti, de la famille Azebel des Azores, du frère Michel de Luanda, c'est l'Angola. Salutations du frère Louise de la Mozambique et encore du frère Joachim de Mozambique, du frère Ivan de Cuba, ensuite des salutations du frère Raphaël et de la sœur Maria de l'Italie, salutations du frère Francesco Onasti et le frère Michéa et du frère Michéa et du frère Gianfranco Primel, tous de l'Italie, le frère Trapani, salut. Ensuite, des salutations d'un frère de la Russie, ensuite des frères et sœurs de Donetsk, Ukraine et aussi de Lvivodi, ici de Valentine et de Valentin et aussi de la Russie, le frère Alexandre de Tatarstan, la Russie, le frère Thomas et le frère Tedeo de la Tchèque. Ensuite, nous avons la salutation du frère Jen Bado du Burkina Faso, du frère Zulu de l'Afrique du Sud, du frère Motika de Johannesburg, des salutations de Kitchnef et de la sœur Victoria, du frère Vladimir Konovales de Balkirien, ensuite de la famille Kolola de la Finlande, du frère Anthony de la Finlande, ensuite du frère et sœur Olviti de la Finlande, de sa situation fraternelle, du frère Paul Elias de Nairobi, du frère Chauffeur du Rwanda. Ensuite, nous avons les salutations encore de Tati Issia de Colvetti, de l'Afrique, de frère Ngenda du Burundi, des salutations du frère Betantu de Kalonzulu, c'est le Congo, du frère Jean-Marc d'Abidjan, du frère Bambele du Congo. Ensuite, nous avons les salutations du frère Yapi aussi d'Abidjan, du frère Caleb du Nigeria, des salutations du frère Leonard de l'Afrique du Sud, des salutations du frère Broussi de Kapstadt, du frère Tambo Molaka, du frère Larense, des salutations du frère Pilemon de Pretoria, du frère Lupombo de l'Afrique, des salutations du frère Mopa de la République du Congo, du frère Hervé de Lyon, du frère Ferry de l'Hongrie, salutations du frère Iban de la Bulgarie, salutations du frère Frédéric de la Belgique, salutations du frère Christian de la Roumanie, salutations du frère Rigoberto, du frère Tony, du frère Chilumba et du frère Joseph Biani. Oui, tous ces frères et sœurs saluent fraternellement et nous nous réjouissons de ce qu'ils sont liés avec nous par la transmission et nous souhaitons à tous aussi les riches bénédictions de Dieu. Nous voulons ensemble louer et exalter le Seigneur. Nous commençons avec le cantique
17. Sur notre, dans notre petit livret de chant, le numéro 17. Nous voulons ensemble chanter ce cantique au pied de la Sainte Croix. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, par la croix, par l'offrande de l'agneau de Dieu, par le Saint-Sang de Jésus-Christ, tous, une fois pour toutes, avons été réconciliés avec Dieu. La lettre de condamnation est anéantie, annulée et déchirée. Et les dégâts ont été réparés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous n'allons jamais oublier ce que le Seigneur a fait de grand en nous. Oui, nous voulons à lui seul lui apporter l'honneur pour cela, et aussi la louange. Nous voulons encore ensemble chanter le cantique numéro 10. Le numéro 10.
Amen. Alors que Marie vint à Élisabeth et pour la première fois, ce nom fut mentionné. Jean, dans le ventre de sa mère, a loué de joie parce que c'est le nom qui nous a été donné pour notre salut. Et nous ne pouvons pas assez louer ce nom et exalter ce nom. Et si déjà les cantiques ici l'ont exprimé comme ça, et aussi ici il est dit en allemand dans le cantique, nous voulons aller de l'avant au nom de Jésus. Il est un bouclier pour nous. C'est en lui que nous serons vainqueurs. Et que nous frapperons toute l'armée de l'adversaire. Bien, frères et sœurs, l'adversaire est déjà vaincu, car Jésus-Christ l'a dépouillé. Et nous pouvons le croire et aller de l'avant avec le Seigneur. Et nous sommes reconnaissants de ce que ce soir, de nouveau, nous sommes ici rassemblés devant sa face ensemble. Et nous pouvons louer son nom et exalter son nom. Oui, je voudrais lire une parole dans la première épître de Jean, chapitre 4. 1 Jean, le chapitre 4, à partir du premier verset. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ce sont des paroles très sérieuses, frères et sœurs, très importantes. Et il n'y a jamais eu un temps dans lequel la séduction dans le domaine spirituel fut si maligne, si remplie de versets bibliques comme dans notre temps. Et le Seigneur a averti dans Matthieu 24 comment est-ce que les choses seront dans la fin des temps, qu'il y aura beaucoup de faux Christ, de faux oints qui apparaîtront et qui diront « Ici est Christ, ici est Christ ». Et aujourd'hui, tout le monde religieux chrétiens aussi partout, ils fêtent les églises, n'est-ce pas, sont remplies, ils sont riches, mais seulement à l'extérieur. Bien, frères et sœurs, nous devrions être si reconnaissants à Dieu pour la grâce que Dieu a envoyé son messager pour nous ramener à la foi des pères, à la foi des apôtres, à l'enseignement des apôtres. La parole que Dieu a révélée à son serviteur Paul pouvait dire que c'est par l'Esprit de Dieu que cela m'a été révélé, le mystère qui était resté caché. Bien, frères et sœurs, nous avons reçu beaucoup de grâce.
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la parole prophétique et aussi pour la parole de l'enseignement et pour les choses qui ont été placées à leur place dans la Bible. Et aussi ce que Dieu fait dans notre temps. Nous avons la grâce d'être dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Nous sommes une partie maintenant de ce que Dieu fait. Nous ne sommes pas seulement l'Église du Seigneur, mais nous appartenons à l'Église, à l'épouse de Christ. Nous savons que l'Église est grande. Mais dans l'Église, il y a une épouse qui prendra part à la première résurrection, qui est séparée et qui seulement prête l'oreille à la parole. Elle est fondée sur la parole, sur le fondement de la parole de Dieu. Et elle croit chaque parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour nous laisser nourrir de la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Nous voulons de tout notre cœur suivre. Dieu parle avec nous, avec notre cœur, à toi et à moi personnellement. Nous voulons prêter l'oreille à ce qu'il nous dit ce soir. Et nous voulons lui apporter l'honneur. Nous voulons maintenant nous lever pour la prière. Je demande au frère Alfred Bord qu'il puisse remettre la réunion au Seigneur. Père céleste, ensemble, nous venons dans ta présence, car nous croyons que tu es présent encore ce soir, tel que tu l'as promis. Tes promesses sont oui et amen. Nous te remercions pour la parole précieuse que nous avons déjà entendue. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu nous as accordé l'esprit de la vérité. Et cet esprit nous conduit, et ton esprit nous conduit dans toute la vérité que tu as révélée dans nos jours. Nous te remercions pour ce soir. Et te demandons, viens parmi nous. Révèle, manifeste ta présence à nous tous. Bénis tous ceux qui sont connectés dans le monde entier et qui ont part à cette réunion. Nous te demandons, bénis ton serviteur. Accorde-lui ta force pour prêcher ta parole. Accorde-nous à tous la grâce de recevoir ta parole, de la croire et de t'expérimenter personnellement, nouvellement ce soir. Nous te le demandons. Secours tous ce soir. S'il y a des afflictions, que tu puisses en mettre fin là où il y a de la maladie, que tu puisses guérir, car le bras de l'Éternel est élevé. Nous te remercions que la victoire de Golgotha parmi nous soit manifestée en tous ceux qui te croient ce soir. Nous te remercions et nous louons le sang de Golgotha. Nous te remercions pour ta parole et pour le Saint-Esprit. Nous te remercions. Reçois ce qui te revient de plein droit ce soir avec tous ceux qui écoutent ta parole. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons crois seulement, crois seulement.
Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit remercié de ce que, de loin et de près, nous venons ensemble, nous venons nous réunir. Comme le cantique le dit, ils viennent de l'est et de l'ouest, ils viennent du sud et du nord. Le dernier message doit et va atteindre tous les peuples, les langues et les nations. C'est ainsi que le Seigneur l'a voulu, et c'est ainsi qu'il l'a promis, et c'est ainsi que cela s'accomplit devant nos yeux. Toutes les salutations nous ont été lues, et il y en a qui posent des questions. Est-ce que nous devrions toujours lire toutes ces salutations? Mais s'il vous plaît, mettez-vous à la place de ceux qui sont en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Australie ou bien en Afrique, et qui sont liés avec nous, et qui ensuite envoient des salutations. Que Dieu puisse bénir tous. J'ai encore quelques salutations. Le docteur Mbillé salue très fraternellement plus de 3000 frères et sœurs sont rassemblés là-bas, qui maintenant sont connectés. Le frère Mwemba de Kolwezi, le frère Jacques de la Côte d'Ivoire, le frère Inodi salue fraternellement, le frère Baumgartner de la Suisse salue, le frère Müller du lac du Nord, le frère Thies de Berlin. Oui, le frère Thies est celui qui m'a appelé et qui simplement disait: frère Franck, tu sais ce que le 3 décembre signifie. J'ai dit: un moment, qu'est-ce que tu veux dire par là, le 3 décembre? J'ai dit: oui. Il a dit: oui, le 3 décembre, c'est, tu étais à Jeffersonville le 3 décembre, et là-bas, tu as eu l'entretien avec le frère Branham. Bien sûr, le 3 décembre 1962. Beaucoup, beaucoup d'années sont depuis lors passées. Ensuite, le frère Salomon de Dublin salue, de Nairobi, le frère, un frère de Nairobi, le frère Elise du Canada, le frère Gonga de l'Afrique, le frère Kripsel aussi salue tous fraternellement. Et je voudrais aujourd'hui à tous ceux qui parlent une autre langue, de tout mon cœur, je voudrais vous remercier de ce que dans la patience vous suivez. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que même les cantiques sont traduits, pour que ainsi tous puissent suivre et avoir part à ce que Dieu le Seigneur fait maintenant. Nous avons aussi le compte rendu rapide, court, concernant le voyage missionnaire puissant au Koweït et au appareil. Le Koweït était le 165e pays. Était le 125e pays que mes pieds avaient foulé, et l'autre pays était le 165 fois. Non, pardon. Ça va faire 55 ans. Oui, Dieu a vraiment fait de grandes choses. Depuis le commencement, que des portes sont ouvertes et des cœurs ont été ouverts. Et vous savez ce que je devrais le dire, alors que déjà en 1966 et aussi directement dans les années en 1976, nous avions eu ces émissions de radio par la radio
du Luxembourg, tous pouvaient à l'époque l'entendre, de la Russie, de la Tchèque, du monde entier. Les émissions ont été émises par antenne, donc par différentes antennes, et le contact par ces émissions-là ont été et possible durant toutes ces années, parce que partout il y en avait qui parlaient l'allemand, donc c'était de 66 à 76, et partout Dieu a vraiment fait grâce et a fait en sorte que ainsi le commencement en Europe soit possible. Et maintenant nous regardons à tous ces pays dans lesquels Dieu a béni. Le frère Tati, qui m'a souvent accompagné, me disait: frère Franck, je t'ai accompagné dans 30 pays. Dans 30 pays, j'ai été avec toi et j'ai traduit. Et je suis à chaque fois nouvellement, j'ai été à chaque fois nouvellement béni. Le frère Tati, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi pour que tous puissent te voir, que Dieu le Seigneur a spécialement béni frère Tati. Et aussi maintenant nous avons les réunions au Cameroun, nous avons eu les réunions au Cameroun, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai prêché pendant 47 minutes et j'ai dû tout de suite m'asseoir, et à la fin, ensuite il y a un frère qui a fait la fin, donc. Mais Dieu a malgré tout béni au-dessus de toute mesure et compréhension, et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Et lors du dernier voyage au Koweït et à Paraï, où c'était notre bien-aimé frère Michael qui était avec moi, et le frère Miro était avec nous, et il a fait en sorte que tout le monde entier écoute et voit en direct. Et le frère Mike a vraiment traduit de manière puissante. Et imaginez-vous, ces hommes ont pour la première fois, entendu parler du message du ministère de frère Branham, de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et au commencement de l'une des réunions, il y avait eu la musique et l'orchestre, et ils jouaient tellement rapidement, et c'était une direction pentecôtiste, et malgré tout ce bruit, ils n'ont jamais entendu parler de ce que Dieu a fait dans notre temps, avec des alléluia et loué soit le Seigneur. Mais Dieu n'avait jamais eu la parole parmi eux. À quoi est-ce que ça sert de telles louanges qui n'atteignent pas Dieu? Comme le Seigneur a dit, c'est en vain qu'ils m'adorent, parce que ce sont des commandements d'hommes qu'ils ont fait pour leur instruction. Mais ce qui m'a touché directement, et ça je voudrais à Paraï et à Koubraï et au Koweït saluer particulièrement nos frères, ils sont connectés directement maintenant. À Paraï et au Koweït, ils sont maintenant connectés directement ce soir. Imaginez-vous, il y a quelques jours, j'ai entrepris le premier voyage là-bas pour la première fois, et directement j'ai été vraiment enthousiasmé, et aujourd'hui ils écoutent en direct. Et quelle grâce Dieu nous a faite, et aussi la contribution des frères pour que cette technique puisse être utilisée, et que ainsi du monde entier cela peut être possible. Donc de Bahreïn, je voudrais saluer ce soir le frère Marc, sa langue c'est le ourdou, et plus de 2 millions parlent cette langue. Et donc nous étions à Bahreïn et au Koweït, et
cette langue est parlée aussi dans ces régions. Nous sommes reconnaissants aussi de ce que l'anglais est parlé partout, enfin, peut être compris partout et parlé partout. Et être compris aussi, bien sûr, la traduction suit, n'est-ce pas, mais je remercie le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant sur terre. Il y a le frère, le docteur Chovava, est-il ici ce soir? Où es-tu? Que Dieu te bénisse. Notre bien-aimé frère du Zimbabwe, est-il là? D'Harare? Viens saluer rapidement la congrégation. Qu'il puisse m'écouter. Juste la salle de salutation. Je voudrais vous saluer. Au nom de notre bénévole Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi de venir ici. Particulièrement parce que ce soir, parce que ce sera le 3 décembre, encore demain, et c'était un jour particulier dans le calendrier de Dieu. Nous allons remercier encore le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Il peut l'écouter. Avant que ce soit le Zimbabwe, il y avait la. Avant que ça s'appelait le Zimbabwe, c'était Rhodésie. Et le frère Frank, déjà à l'époque, avait prêché, alors que ça s'appelait la Rhodésie, et alors que c'était Salisbury. Le Seigneur a vraiment, depuis le commencement, déjà ouvert les portes dans le monde entier. Qu'il puisse bénir aussi le frère Étienne Genton, qu'il bénisse tous nos frères qui viennent pour traduire. Je me réjouis toujours du frère Étienne Genton, très particulièrement. Il avait 14 ans à l'époque, alors qu'il avait vu frère Branham et entendu frère Branham pour la première fois, et qu'il avait suivi les réunions à Zurich. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour de tels frères qui ont été saisis par le Seigneur, qui sont saisis par le Seigneur, et ce que Dieu nous a confié, ils peuvent le transmettre. Et alors que j'entendais que le frère Claudio Miskis a traduit au Brésil ce qui avait été prêché au Koweït, vous savez comment est-ce qu'on on ressent dans le cœur de ce que Dieu vraiment a pris soin pour toutes les langues, et que ce n'est pas seulement les 300 qui maintenant là-bas étaient connectés, mais que dans toutes les langues dans le monde entier cela est transmis. Notre bien-aimé frère Kraim me disait mercredi soir, frère Franck, les prédications que tu as tenues à Paris, à Bahreïn, pardon, et je les ai déjà traduites en Russie, en russe, et on peut les écouter dans YouTube. Bien, frères et sœurs, remercions Dieu de ce qu'il a cherché des frères, qu'il a trouvé des frères, et dans toutes les langues, il les a revêtu. Aussi notre frère Pacheco, notre frère Erwin, que Dieu te bénisse. Et là aussi, nous avons des bonnes nouvelles de Cuba, très particulièrement. Oui, que Dieu bénisse au-dessus de toute mesure et de toute compréhension dans tous les peuples, les langues. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, transmettre ce que notre Seigneur a confié. Nous allons venir à en parler. Avant cela, je voudrais presque dire un développement catastrophal, écrit en grand caractère, les protestants de la Suède font
Dieu un S. Ils ne veulent plus que Dieu soit homme, mais que Dieu soit les deux, soit homme et femme en même temps. Je me demande à quel point, jusqu'à où est-ce que les gens veulent partir, veulent encore partir. Où? Et je crois que j'étais aussi la reine de la Suède qui, dans la 30e guerre, du temps de la Réformation, avait perdu sa vie. Et elle a combattu pour que la Réformation puisse fêter sa victoire. Et en tant que reine de la Suède, je crois que j'étais à Saxen, elle est tombée et elle a donc laissé sa vie pour les choses de Dieu. Et maintenant, les protestants de ce pays-là, en Suède, veulent donc disent que Dieu n'est pas, on n'a pas le droit maintenant seulement d'utiliser le masculin en s'adressant à Dieu. Et on doit aussi utiliser le féminin. À tel point les gens en vont. Ça suffit déjà de parler de la théorie de l'évolution. Nous croyons que la création est une réalité, pas la théorie de l'évolution. Nous croyons aucune théorie. Nous croyons seulement ce qui est réel. Et la deuxième chose, c'est que ce qui vraiment nous ferme le langage, à Berlin, une maison sera construite pour cette personne. Une maison pour cette personne, pour 43,5 millions. Et dans cette maison, au milieu, il y a le christianisme, et d'un côté, il y a le judaïsme, et de l'autre côté, il y a l'islam, et tous doivent être unis, et c'est pour cette raison que 43 millions ont été préparés pour construire cette maison, 43 millions. Et c'est incroyable, l'union est en train de se faire, et bien, frères et sœurs, quand nous voyons de telles choses et entendons de ces choses, alors nous savons, n'est-ce pas, comment est-ce que la montre est avancée, l'horloge est avancée. Ils vont tous s'unir, mais sous Rome. Et pourquoi est-ce que Dieu, justement, dans notre temps, a accordé tant de grâce et a dit, vous, mon peuple, sortez du milieu de ne toucher à rien d'impur. Pourquoi est-ce qu'il a dit « Rassemble-moi, mon peuple, pour qu'il entende mes paroles. » Dieu rassemble son peuple. Et ensuite s'accomplit « Père, toi en moi, et moi en toi, pour que nous soyons tous un. » Pas une union de religion, l'union divine. Dieu en Christ et Christ en nous. L'espérance de la gloire. Nous pouvons tous, de tout notre cœur, que remercier Dieu de toute notre âme, de ce qu'il a accordé sa grâce dans ce temps particulier. Dans ce laps de temps, dans cette époque, d'entendre ce que Dieu a promis et ce qu'il fait maintenant. Et nous venons maintenant particulièrement à plusieurs dates qui simplement, dans le dessein du salut de notre Dieu, ont leur place. Que ce soit le 11 juin 1933, alors que le prédicateur le plus simple, il n'y avait pas plus un nom plus simple aux États-Unis que William Branham. Il a eu 7 années d'école, 7 années scolaires. Il n'a pas bien parlé l'anglais. Il a dit lui-même que son anglais est très mauvais. Mais Dieu prend ce qui n'est rien dans le monde ou bien pour ce monde
et utilise des ustensiles d'une manière très particulière. Et là, nous avons, n'est-ce pas, entendu cette annonce telle que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ, du la première venue de Christ, donc du retour de Christ. Et ça, vous pouvez vous imaginer. Est-ce que vous pouvez comprendre ma douleur quand on entend que les églises pentecôtistes n'ont, beaucoup d'elles n'ont pas encore entendu parler de ce que Dieu a fait dans notre temps. Alors cela inonde encore plus notre cœur. Et on devrait louer et remercier le Seigneur pour cela et lui donner l'honneur. Et bien sûr que le 7 mai 1946 s'est ajouté aux dates alors que l'ange de l'Éternel directement dans la lumière surnaturelle est entré dans la pièce où frère Branham se trouvait. Il était assis là et il avait sa Bible sur ses jambes et il la lisait. Et l'ange de l'Éternel s'est tenu devant frère Branham et frère Branham a sauté. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, ne crains pas, n'aie pas peur, je suis envoyé à toi de la présence de Dieu pour te donner le mandat, pour te mandater. Et il lui a donné le détail de la signification de ce mandat. Et frère Branham a, n'est-ce pas, rendu témoignage de ce que l'ange lui a dit. Et d'abord, il s'agissait du ministère évangéliste. Et ensuite, la deuxième partie, la révélation des sceaux et la révélation des mystères de Dieu. Et nous sommes simplement reconnaissants pour cela. Oui, frère Branham voulait venir en Suisse. D'abord, 5 réunions devaient avoir lieu. Et pour finir, il n'y en avait qu'une seule qui était prévue. Et l'ange de l'Éternel lui a parlé et lui a dit, n'entreprends pas ce voyage. Retourne à Jeffersonville et emmagasine la nourriture. Et emmagasine la nourriture. Et le même Seigneur qui a donner cet ordre et ce mandat était le même qui le 2 avril en 1962 avec voix audible qui a retenti fort. Il a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt achevé et je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Je sais que je l'ai plusieurs fois mentionné, mais justement dans un tel week-end, le 2 et le 3 décembre, cela, on se rappelle encore mieux, n'est-ce pas, à ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Et vous savez, plusieurs fois, je l'ai dit, alors qu'il disait qu'il y aura une grande famine qui va venir et emmagasinez-vous des nourritures et des vivres. Nous avons vraiment rempli nos étagères de vivres et d'aliments parce que nous pensions qu'une catastrophe viendra et aucune catastrophe est venue. Mais je ne pouvais plus supporter la situation. J'ai donc appelé frère Branham et je lui ai demandé est-ce que je pourrais venir. Et donc à la fin de novembre, j'ai entrepris un vol aux États-Unis et le 3 décembre, nous étions assis ensemble et cet homme de Dieu, et il était assis exactement en face de moi. Il y avait Fred Folsman et Franz Bolt. Je pouvais voir dans ses yeux comment son œil droit était intercellant,
avec comme une étincelle. Et je pouvais voir à l'œil droit qu'il était dans une autre dimension. Et il a un peu levé la main et il a dit, et que je peux te dire ce que le Seigneur t'a dit. Il a répété, frères et sœurs, mot à mot, ce que le Seigneur m'a dit le 2 avril de la même année. Et il a dit, tu pensais que une famine terrestre viendrait et tu as emmagasiné de la nourriture terrestre, naturelle. Mais Dieu envoie une famine pour écouter sa parole. Et une famine. Et la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Et elle est dans les prédications qui ont été enregistrées sur les bandes magnétiques. Je le dis avec la Bible ouverte, devant la face de Dieu. Les prédications enregistrées sur les bandes magnétiques. Et directement à la fin, il m'a dit, attends avec sa distribution, avec leur distribution, jusqu'à que le temps soit arrivé où tu recevras le reste de la nourriture. Et alors, vous pouvez vous imaginer ce que cela a signifié pour moi au moment où le ministère de d'emmagasiner la nourriture fut terminé et que le message a été apporté tous les mystères ont été révélés et que l'homme de Dieu est allé dans la gloire. Mon temps était arrivé. Ça, vous n'avez plus besoin de dire à qui que ce soit. Ça, je le savais. Et je suis revenu. Donc personne n'avait besoin de me le dire. Je le savais à l'époque. Et alors, je suis revenu pour exécuter ce que le Seigneur m'a ordonné de faire. Et c'est ainsi que je pouvais dire, maintenant la parole du Seigneur a atteint les extrémités de la terre. Et le dernier premier week-end, en Afrique, dans différents pays, encore beaucoup se sont connectés. Nous avons eu plus de 2700 connexions, 2000 qui ont écouté la parole de Dieu. Et partout, le peuple de Dieu a été béni. Donc, nous sommes dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, et nous avons part à ce que Dieu fait maintenant. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, pas un charismatique, mais nous avons fait ce que Dieu a ordonné. Nous avons prêché la parole et distribué la nourriture spirituelle. Et depuis, comme le psaume le dit, le psaume 50, rassemble-moi mon peuple, tous ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et maintenant, le peuple de Dieu est rassemblé pour écouter la parole de Dieu. Mais maintenant, j'ai dans le cœur de parler du commencement que chacun de nous doit faire avec Dieu. Le salut de l'âme, le pardon de nos péchés, la guérison des maladies. Je voudrais, parce que nous avons aujourd'hui eu un court entretien, j'ai eu ces pensées précieuses pour la première fois dans la vie. Elles m'ont inondé le cœur comme jamais auparavant, au-dessus de toute mesure. Elles m'ont inondé le cœur. Que ce n'est pas seulement que nous prêchions la guérison, mais je me suis noté le verset biblique que on peut lire. Je suis le Seigneur, ton médecin. Donc le médecin, le Seigneur qui te guérit. C'est comme ça que c'est écrit dans Genèse. Je dois essuyer mes vers. Je suis le Seigneur qui te guérit. Cette parole aujourd'hui m'a tant touché le cœur comme jamais auparavant. Et vous savez pourquoi? Notre Seigneur n'a pas donné une recette
et n'a pas dit quelle thérapie nous avons à suivre, mais il est venu lui-même à nous et il a porté toutes nos maladies que nous pourrions avoir ici dans la chair. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que je veux dire, pas simplement je suis le Seigneur qui te guérit, qui me guérit. Non, lui, en tant que notre sauveur, il est venu à nous. Il a participé à la chair et au sang. Et ici, par son sang, il a accordé ton salut. Il est venu à nous, là où nous sommes, ici sur cette terre. Et en tant que médecin, en tant que celui qui nous guérit, il a porté nos maladies sur lui-même. Il les a ôtées de nous et il les a portées sur lui pour que par ses maîtrises, nous soyons guéris. Je le répète encore. Pas une recette comme ça, simplement. Une ordonnance. Et puis il nous a renvoyé. Mais par ses maîtrises, nous sommes guéris. J'aimerais lire justement ce verset biblique pour que vous puissiez savoir que et cela est écrit dans Exode, chapitre 15, à la fin du verset 26. Je suis le Seigneur qui te guérit. À la fin du verset 26. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et il avait d'abord, il s'était d'abord présenté en tant que ce qu'il est, pas seulement sauveur, mais aussi celui qui guérit. Il est médecin. Il est médecin. Je suis le Seigneur. En allemand, je suis le Seigneur, ton docteur, ton médecin. En allemand, c'est comme ça. Dans Exode 15, verset 26. Et nous voulons directement, ici il est écrit, car je suis l'Éternel qui te guérit, qui te guérit. Mais maintenant, allons voir comment il a fait. Allons cela voir cela dans Ésaïe 53 pour voir que notre Seigneur et Rédempteur est venu à nous. Est venu à nous et nous a accordé le plein salut par la grâce de Dieu. Ici dans Ésaïe 53, nous lisons d'abord le verset 4 et 5. Ésaïe 53, verset 4. 53, verset 4. Alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. En allemand, ce sont nos maladies qu'il a portées. Frères, croyez ça. Croyez ce qui est écrit ici. Cependant, ce sont ce sont tes maladies et mes maladies qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je le répète encore une fois, pas une ordonnance qu'il a faite, mais lui-même, il s'est chargé de nos douleurs en tant que celui qui nous guérit. Et ici, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Maintenant, sur la deuxième partie, mais il était blessé pour nos péchés. Les deux sont inclus. Le salut de l'âme et le pardon des péchés et la guérison de notre corps. Tout est, tout par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, nous a été accordé par Dieu. Cela continue encore. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Soyez sincères. Si une maladie nous touche, particulière une maladie, alors on pense, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis malade? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que le Seigneur me punit? On entre avec soi-même, on se juge soi-même. C'est pour cette raison qu'il est écrit ici tout de suite. Lisons cela encore ici et croyons tel que c'est écrit de tout notre cœur. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Vous voyez, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que
nous sommes sauvés. Que nous sommes guéris, pardon, guéris. Aussi vrai qu'il a eu les meurtrissures, qu'il fut meurtri. Aussi vrai, aussi certain qu'il fut meurtri, aussi certain nous sommes guéris. Aussi certain qu'il a versé son sang, aussi certain nous avons été rachetés et pardonnés. Et pardonnés. Et s'il vous plaît, acceptez ça. Ne pensez pas au châtiment. Si quelque chose vous arrive, pensez à ce que le châtiment fut tombé sur lui. Sur lui, sur celui qui nous guérit, qui est venu, qui a participé à la chair et au sang, qui est devenu semblable à nous pour nous guérir et qui a pris notre place entièrement. Et ici, il est écrit, nous étions tous, et dans le verset 6, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel, tous, n'est-ce pas, nous avons suivi nos propres voies, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Loué et exalté soit notre Seigneur. Ensuite, dans ce résumé, au verset 10, ensuite il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, en amont de le frapper, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, une semence, et prolongera ses jours. Et l'œuvre, en amont, et la volonté de l'Éternel prospérera entre ses mains, la volonté de l'Éternel. Ici, nous avons un résumé de ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha. Le salut de l'âme, le pardon de nos péchés, la guérison de nos maladies, même les douleurs, nos douleurs, il les a portées sur lui. Ne l'oublie pas, ne l'oubliez pas. Ton châtiment est tombé sur lui. Il ne peut plus être sur toi. C'est pas possible. Il ne peut plus. Cela ne peut plus être imputé. C'est pas possible parce que il a porté ce châtiment et à la croix il a versé son sang comme sacrifice pour nous accorder une entière rédemption parfaite par la grâce de Dieu. Et nous pouvons, dans la foi de tout notre cœur, l'accepter. Est-ce que cela inonde votre cœur aussi? De ce que notre Seigneur, en tant que Sauveur, en tant que Rédempteur, en tant que tout ce qu'il est devenu pour nous, il s'est donné lui-même pour nous. Oui, et il a déchiré la lettre de condamnation qui était contre nous et il nous a accordé le pardon de nos péchés que nous pouvons expérimenter et aussi la guérison de notre corps que nous pouvons expérimenter. Et ici, dans le psaume 103, c'est l'un des psaumes les plus connus. Dans le psaume 103, cela a déjà été, n'est-ce pas, résumé ce que nous avons dans le Seigneur, le psaume 103. Ici, il a été écrit directement dès le commencement. Mon âme loue l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Et maintenant arrive son saint nom. Loue l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, de ce qui t'a fait de bien, en allemand. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
Ici, nous avons, dans l'annonce, dans l'Ancien Testament déjà, ces choses. Et ensuite, nous voyons leur accomplissement, leur réalisation, dans leur réalité, ici sur terre, dans notre Seigneur et Rédempteur. Pourquoi est-ce que je dois aujourd'hui le dire en insistant? Il y a deux sortes de choses parmi nous, sûrement. Les uns qui ont besoin de pardon de leurs péchés, Les autres ont besoin de la guérison, de leur corps. Et les deux choses ont eu lieu, nous ont été déjà accordées par Dieu, par l'œuvre de la rédemption à Golgotha. Et c'est pour cette raison que nous pouvons le prêcher avec assurance. Soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez la rédemption. Acceptez la guérison. Acceptez la délivrance. Acceptez tout ce que Dieu en Jésus-Christ, par sa grâce, nous a accordé. Que vraiment, vous puissiez dire, le Seigneur nous a secouru au temps du salut, dans le jour favorable. Oui, la main de l'Éternel est élevée. Et la victoire de notre Dieu doit et va être manifestée dans l'attente des justes, car Dieu est véritable. Et toute parole de Dieu est vraie. Et notre Seigneur, sur la croix à Golgotha, a dit, c'est accompli. Le rideau dans le temple s'est déchiré, et le chemin est inauguré et le sang a été apporté sur le trône de la grâce et nous pouvons par la grâce de Dieu expérimenter le pardon de nos péchés, prêcher le pardon de nos péchés et la guérison de notre corps et dire à tous les hommes, acceptez ce que Dieu nous a donné dans la foi. Et cela doit s'accomplir, cela doit se manifester, cela va se manifester dans notre vie. Ensuite, nous avons dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 18, nous avons les résumés que Pierre, dans sa deuxième prédication, a donné. Actes des Apôtres, le chapitre 3, et ici, à partir du verset 18, et l'homme de Dieu dit la chose suivante. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Et maintenant, suit, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça, c'est le commencement du message. Ici, dans Actes des Apôtres, le chapitre 3, l'homme de Dieu a, n'est-ce pas, redonné tout, la repentance, la foi, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, l'homme de Dieu, encore une fois, fait mention de ce que Dieu a accompli de la sorte, ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est simplement tout puissant de voir que dans l'Ancien Testament, tout a été annoncé à l'avance. Et nous le voyons dans son accomplissement, que ce soit lors de la première ou bien de la deuxième, oui, la première venue de notre Seigneur. Et bien-aimés Seigneurs, nous l'avons dit souvent en insistant, d'abord, les promesses sont contenues, sont écrites à l'avance dans la parole de Dieu. Et ensuite, suit la foi à ce que Dieu a promis.
Et bien mes frères et sœurs, c'est absolument nécessaire que chacun personnellement se laisse, se sache adressé par Dieu lui-même. Il faut que nous puissions être conscients que c'est le Seigneur qui nous parle directement maintenant par sa parole. Et que nous, il ne nous châtie plus, mais il nous guérit. Il nous guérit, car le châtiment fut tombé sur lui. Dites au Seigneur de tout votre cœur, merci, car la malédiction a été ôtée. Et il est devenu malédiction pour nous, emportant tout sur lui, tout ce qui pourrait atteindre. Et dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Tout ce qui avait été annoncé à l'avance dans l'Ancien Testament s'est accompli dans le commencement du Nouveau Testament. Et bien aimés frères et sœurs, ça, on peut le dire dans chaque prédication. D'abord, une promesse, et ensuite la foi vient de ce qu'on entend de la promesse, et ensuite l'accomplissement de le frère Miskis l'a mentionné déjà. Alors que le nom de Jésus pour la première fois fut prononcé, Jean a sauté dans le ventre de sa mère. Et qu'est-ce que les Saintes Écritures disent? Il était rempli du Saint-Esprit de la vente, du ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu s'était accomplie. Il était un prophète promis. Et dans l'Ancien Testament, la promesse fut donnée. Et dans le Nouveau Testament, cette promesse s'est accomplie. Mais le frère et soeur, et où est-ce que tout cela va? Aussi, en ce que l'ange de l'Éternel a dit à Marie, alors qu'il lui avait donné la promesse. Laissez-moi insister encore, bien-aimés frères et sœurs. Oh, bénis toi qui as cru. La foi est bénie. Bénis toi qui as cru la promesse. Et ensuite, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait tel que tu l'as dit. Au moment où nous croyons les promesses de Dieu, nous croyons ce que Dieu, dans sa parole, nous a dit. Alors, ce que nous croyons s'accomplit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient sur nous parce que nous croyons la promesse pour accomplir, confirmer ce que nous croyons et accomplir ce qui est écrit. Et il nous accorde une repentance, une conversion, une nouvelle naissance, un baptême du Saint-Esprit, une guérison de notre corps, une délivrance de notre esprit. Tout ce que Dieu a promis dans la foi, nous l'acceptons. Ce sont des choses promises, et nous les acceptons, les croyons de tout notre corps, et nous les expérimentons ensuite personnellement. Résumons de quoi il s'agit maintenant. Avant le retour de Jésus-Christ, il faut que tout le dessein du salut de notre Dieu soit prêché. Et tous ceux qui sont de Dieu, c'est ainsi que dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu. Tous ceux qui sont de Dieu prêteront l'oreille à la voix de Dieu. L'apôtre Jean pouvait dire, nous sommes de Dieu. Et celui qui est de Dieu nous écoute. Ne le disons pas pour critiquer, mais disons-le, par exemple, celui qui croit par exemple une certaine religion, et cela existe dans le monde entier, des pays entiers ont cette religion, les autres ont cette religion, aussi dans le christianisme, là-bas l'orthodoxe, et là-bas les anglicanes, et là-bas les luthériens, et etc. Et tous croient ce que leur église dit. Mais nous croyons ce que Dieu dans sa parole a dit. Et c'est pour cette raison que la parole aussi dans notre temps est justifiée. On peut simplement dire que nous sommes de Dieu et que nous portons la parole de Dieu
avec toutes les promesses de Dieu pour cette époque. Et nous, et ceux qui sont nés de Dieu, prêtent l'oreille à cette prédication. Et aussi cette expression, celui qui n'écoute pas est donc animé de l'esprit de l'erreur, est égaré par l'esprit de l'erreur. D'un côté, l'esprit de la vérité. Et d'un autre côté, de l'autre côté, l'esprit de l'erreur, de l'erreur. Et bien, mes frères et sœurs, regardons dans le monde entier. Il n'y a rien que de l'erreur. Et où est-ce que cette erreur mène? Elle mène à la grande déception. Déception. Je ne peux pas y penser. Comment est-ce que cela va se passer pour ces gens lors du dernier jugement? Tous ces tordeurs, tous ces représentants des différentes religions, aussi des religions chrétiennes, tous ces représentants, le jour du jugement dernier, ils vont devoir rendre compte. Bien-aimés frères et sœurs, insistons encore sur cela encore une fois, avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut que tout soit ramené dans l'état primitif. Nous devons sortir de la captivité babylonienne. Croire Dieu, croire les promesses, les accepter, les recevoir et ensuite expérimenter personnellement ce qu'il a promis et donné et fait et nous mettre ainsi du côté de Dieu. Même si nous devons supporter du mépris et de l'opprobre. Mais ça, c'est la pensée principale que Pierre aussi, ici, dans ses épîtres, pas seulement dans Actes des Apôtres, dans ses prédications, chapitre 2, chapitre 3, mais directement au commencement de ses épîtres, il insiste et il montre l'importance des choses et de quoi il s'agit en fait ici dans 1 Pierre. Et directement, dès le commencement, nous pouvons lire à partir du verset 3 dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Loué soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pas seulement pardonner les péchés, mais naître de nouveau, une nouvelle vie régénérée par la grâce de Dieu, recevoir la vie de Dieu. Et ça aussi, on doit le dire, notre Sauveur et Rédempteur, en tant que Fils de Dieu, a été manifesté ici dans la chair, le premier-né entre plusieurs frères. Et nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu et aussi certains que par la résurrection, la nouvelle vie, la vie éternelle a été manifestée par la crucifixion. Le vieux corps a été crucifié, le vieil homme. Mais c'est la même chose avec nous aussi. Si nous sommes crucifiés avec Christ, alors le vieil homme est crucifié avec Christ. Et toutes ses œuvres, et c'est peut-être en tant que Paul pouvait dire, je suis crucifié avec Christ. Mais ensuite, par la résurrection, il est témoigné que la vie de Dieu est manifestée, est devenue visible. Et c'est peut-être la raison qu'il est insisté en vertu de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau. Et au verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers jours, dans les derniers temps. Imaginez-vous une fois, il y a 2000 ans d'ici, la parole est écrite qui maintenant s'accomplit. Vous qui dans la puissance de Dieu, pas dans votre propre puissance, mais dans la puissance de Dieu, dans la puissance de la résurrection de notre Seigneur,
Vous êtes crucifié avec Christ, enseveli avec lui et ressuscité avec lui pour marcher désormais en nouveauté de vie. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, bénis frères et sœurs, par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Prêt à être révélé dans les derniers temps. Prêt à être révélé dans les derniers temps. Prêt à être révélé. Et nous sommes dans les derniers temps, bien, frères et sœurs. Et le retour de notre Seigneur est devant la porte. Et nous allons être gardés par la foi, par la puissance de Dieu. Nous allons être accompagnés par la puissance de Dieu et par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, conduits. Et nous pouvons continuer ici à lire, peut-être seulement le verset 12 encore, de 2 Pierre chapitre 1, verset 12, il a dit. En fait, on devrait lire à partir du verset 10. Il a dit 2 Pierre, mais je crois qu'il voulait dire 1 Pierre. 1 Pierre, 1 verset 10. Il a dit 2 Pierre, mais c'est 1 Pierre, 1 verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous étaient réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, il insiste sur le mot recherche, et de leur investigation touchant la grâce qui vous était réservée concernant le pardon de vos péchés, concernant la guérison de votre corps, concernant, oui, comment est-ce que cela va s'accomplir, quand est-ce que cela va s'accomplir. Ils ont fait des recherches et c'est ainsi que tout s'est accompli. Le verset 11, il voulait sonder, il, au pluriel, voulait sonder l'époque et les circonstances. Marqué par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui agissait en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Bestimmten Leiden und seine darauf folgende suivi. Verherrlichung il lit la fin du verset 11. Bezeugte. Alles im Voraus. Tout a été témoigné à l'avance. Les souffrances et la mort, la résurrection, la montée au ciel, tout a été annoncé à l'avance par les prophètes. Quand est-ce que cela va s'accomplir? Et nous pouvons regarder en arrière et voir quand est-ce que cela s'accomplit. Lors de la première venue du Christ et par la grâce de Dieu, nous pouvons voir maintenant ce qui s'accomplit avant le retour de Christ. Encore le verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. De ces choses qui vous ont annoncé maintenant, pas auparavant, mais maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. En allemand, qui vous ont prêché l'évangile par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. Et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Résumons ensemble. Bien-aimés frères et sœurs. Notre Dieu a conduit les choses ainsi. Et diriger les choses ainsi que maintenant, à la fin du temps de la grâce. Nous pouvons reconnaître ce qui s'est passé lors de la première venue du Christ. Et comment est-ce que toutes les promesses se sont accomplies. Et nous pouvons maintenant voir ce qu'il fait avant son retour. Et nous pouvons de tout notre cœur croire, comme le disent les Écritures. Ne l'oubliez pas, notre Rédempteur n'a pas donné de message théorique, apporté un message théorique. Lui-même, il est venu. Et il a pris ta place et ma place.
Il a porté mes péchés et tes péchés. Il a porté tes maladies et mes maladies. Il a porté tes douleurs et mes douleurs. Il a porté tout sur lui. Il les a ôtés, il les a portés sur lui. Et tout a été payé sur la croix à Golgotha. Dès maintenant, s'il vous plaît, nous ne regardons plus à nous-mêmes de Seigneur, mais regarde pourquoi ceci et pourquoi cela. Non, simplement dans la foi, accepter le témoignage des Écritures. Le châtiment est tombé sur lui pour que nous ayons la paix. Vous savez que quand on se justifie, on n'a pas de paix. On pense à cela, on pense à ce qui s'est passé. Mais pourquoi cela, pourquoi cela? Mais ensuite, pour que nous ayons la paix avec Dieu. Et ensuite, il insiste de manière merveilleuse. C'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Lui, notre Rédempteur, qui a porté tous nos soucis, il est venu à nous. Il a pris tout sur lui. Il a payé le prix. À lui, soit la reconnaissance, l'honneur et la louange de tout notre cœur et de toute notre âme. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous pour la prière. Chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Peut-être que les deux sœurs ont encore un cantique. Aujourd'hui, peut-être que le frère Jean-Claude pourrait chanter le cantique Maranatha avec nous. Il peut aussi déjà commencer à venir devant le frère Jean-Claude. Chantons tel que je suis, sans rien de moi. Sünde soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut, rot die Sünde, wer gleich Blut, rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Denn ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommet zu ihm, ihr Müden,
sei Dank, dem Herrn sei Dank. So steht es geschrieben, so glauben wir es von ganzem Herzen. Jetzt kommen unsere Geschwister und wir werden heute alle mitsingen. Den Maranatha-Chorus können wir alle von Herzen mitsingen. In allen Sprachen. Dans toutes les langues. In allen Sprachen. Dans toutes les langues. Gloire à Dieu. Gloire soit au Seigneur. Oui. Lob und Dank. Merci. Nous courbons les têtes et persévérons encore dans la prière. Nous savons que le Seigneur revient. Il a promis et nous croyons chaque promesse. Et c'est pour cette raison, frères et sœurs, c'est cette prédication importante et sérieuse. Tout ce qui appartient à notre salut. Nous devons personnellement
l'expérimenter. En commençant par une repentance, une conversion. Baptême d'eau, régénération, nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit. Tout ce qui appartient au salut. Et s'il vous plaît, recevez cela de tout votre cœur. Notre Seigneur n'est pas venu pour nous donner une ordonnance, mais il l'a promis. Celui qui croit en moi, donc une fausse espérance, mais il est venu pour nous dire, celui qui croit au message et au message divin, message du salut, et de tout son cœur croit, nous pouvons prononcer le pardon de ses péchés, la guérison de son corps, la délivrance, sa délivrance. Nous pouvons l'accepter personnellement et l'expérimenter. Je m'excuse si, encore une fois, je le dis en insistant, notre Seigneur n'est pas venu pour nous donner une ordonnance et nous dire, vous pouvez dans 3 semaines revenir. Non, non, non. Et encore une fois, non. Tous ceux qui venaient au Seigneur, qui vinrent au Seigneur, que ce soit guérison, pardon des péchés, délivrance, tous ceux qui sont venus au Seigneur, dans les évangiles, aucun est reparti tel qu'il était. Tous ont reçu ce dont ils avaient besoin. C'est ainsi que c'est témoigné dans les Écritures. Et Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui. Il faut que cela soit ainsi. Et cela sera ainsi encore maintenant. Notre Seigneur ne nous donne pas une fausse espérance. Il nous console. Il nous assure. Il nous parle. Et il dit, crois. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la confirmation de ce qui est promis dans la Bible. Vous verrez la confirmation de la parole. Crois, car c'est ainsi que c'est écrit. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel qu'il était hier, il le fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne rejette personne. Non. Aujourd'hui, il nous a parlé par sa parole. Et aujourd'hui, nous acceptons dans la foi le pardon de nos péchés, la guérison de nos corps et la délivrance. Et maintenant, je demande que tous les yeux soient fermés, restent fermés, mais que nos cœurs soient ouverts. Et tous ceux qui veulent être inclus dans la prière, levez les mains, s'il vous plaît. Alléluia. Regardez. Regardez. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aussi certain que les mains se sont levées, c'est aussi certain aussi que par ta parole, c'est toi qui nous as parlé. Ta parole nous a atteint. Elle a touché notre cœur. Et elle a produit en nous la foi. Nous l'avons accepté. Que tous puissent expérimenter personnellement le pardon de leurs péchés, leur délivrance et leur réconciliation avec toi par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, croyez, faites confiance. Vous pouvez repartir avec ça à la maison. Le salut de vos âmes, le pardon de vos péchés, la délivrance, la guérison de votre corps, Dieu nous l'a accordé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa grâce, cela est accompli. Sur la croix à Golgotha, il nous l'a déjà donné, c'est accompli. Et nous pouvons encore aujourd'hui prêcher le plein évangile, le plein salut. Combien sont ici aujourd'hui pour la première fois? Montrez-moi vos mains. Tous ceux qui sont là aujourd'hui pour la première fois, que Dieu bénisse. Regardez les mains partout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que ce ne soit pas la dernière fois. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas, est-ce que nous sentons encore un cantique pour l'honneur du Seigneur? Oui.
Chantons le premier cantique, je veux chanter de mon Jésus. Le premier cantique en français, oh quel bonheur de le connaître. Qui ont besoin d'être fortifiés et qui veulent venir devant pour que nous puissions ici prier pour vous et avec vous. Alors chantons encore ce chœur et venez devant pour que dans la foi vous soyez fortifiés tel que je suis. Seulement, crois seulement. Oh,
loué et exalté soit notre Seigneur. Et tel que cela fut vrai dans les jours de notre Seigneur, dans les jours des apôtres, dans les jours de frère Branham, que tous ceux qui ont écouté la parole et qui l'ont cru, ont expérimenté personnellement la guérison de leur maladie, la délivrance et leur pardon. C'est encore ce soir, ici parmi nous, le Seigneur est présent. Il nous a donné sa parole dans la foi. Vous l'avez acceptée et vous pouvez repartir avec votre expérience selon votre foi et vos prières et vos requêtes et ce dont vous avez besoin. Croyez maintenant et prions tous ensemble et recevons et nous le faisons ensemble. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu es aujourd'hui le même. Nous te remercions de tout notre cœur. Celui qui vient à toi, tu ne le rejetteras pas. Non, tu lui accordes le pardon, la délivrance, la guérison. Recevez tous, vous tous qui êtes ici, dans la foi, le pardon de vos péchés, la délivrance des liens aujourd'hui et la guérison de vos maladies. Recevez aujourd'hui de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, dites Alléluia, Alléluia, Alléluia. Loué soit le Dieu Tout-Puissant, soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire soit apportée à notre Dieu. Chantons, ceci est le jour. Ceci est le jour. Ça, nous le croyons chacun pour sa personne de tout notre cœur et de tout notre âme. Soyez bénis et vous avez reçu ce que vous avez demandé. Alléluia. Et ce jour va entrer dans l'histoire du salut de votre vie. Vous avez aujourd'hui pris la bonne décision devant Dieu et vous êtes venu au Seigneur avec ce que vous lui demandiez et dans la foi, vous l'avez reçu. Dites Amen. Amen, Amen. Dites tous Amen. Frère Schmitt va encore prier. Mon Dieu, grand Dieu, Père au ciel, nous te remercions pour ta sainte parole que tu es encore sur le trône de la grâce et tu parles encore directement du haut des cieux. Nous te remercions, ta parole n'est pas revenue sans effet, mais elle a produit l'effet pour lequel tu l'as envoyé et elle le fait toujours. Toi qui guérit, qui sauve, qui libère, qui guérit, qui a apporté toutes ces choses pour nous, en tant que le même à qui il est rendu témoignage encore maintenant, toi qui es le même encore aujourd'hui sur toute la terre
Il y en a qui viennent à toi, Seigneur. Ils témoignent que tu es celui qui les guérit et qui les a guéris. Et nous te remercions de ce que tu es venu à nous, tu es venu à moi, tu es venu à chacun individuellement pour parler avec nous ce soir. Et nous te demandons pour ceux qui sont venus devant particulièrement, oh Seigneur, ils sont venus pas à un homme, pas à des hommes, ou bien n'importe qui, mais n'importe où, mais ils sont venus consciemment à toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu, le véritable, le vivant, le puissant. Nous te remercions ensemble pour la grâce et la fidélité. Nous louons ton Saint-Nom et te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous conserver, nous garder en toi, dans ta parole, dans ton esprit, dans la foi, pour la gloire de ton nom. Secours chacun individuellement. Jeunes, adolescents et adultes, petits et grands, mon Dieu, je te le demande. Et je te remercie pour la grande fidélité et la grâce. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Amen. Tu as encore quelque chose à dire? Mes bien-aimés, nous avons aujourd'hui la grâce, expérimenté la grâce de Dieu puissamment. Le Seigneur a fait de grandes choses en nous. Nous voulons, dans la foi, nous rester attachés à ces choses et ne pas nous laisser dérober ça par l'adversaire. Si l'adversaire vient et dites-lui, Satan, tu étais menteur. Jésus-Christ m'a racheté par son sang. Il a porté mes maladies. Par ses maîtrises, je suis guéri. Arrière de moi, Satan. Tu n'as aucun droit sur moi. Commencez à remercier Dieu. Remerciez le Seigneur pour la guérison, pour la délivrance, pour le salut. Remerciez le Seigneur. Alors le diable doit s'enfuir. Et la joie inonde votre cœur. La paix inonde votre cœur. Ne vous nourrissez pas d'entretien inutile. Restez dans le recueillement pendant ces jours et restez dans sa présence. Pensez au psaume 103. Loue l'Éternel, mon âme. Et n'oublie pas tout ce qu'il t'a fait de bien. Allez dans la joie d'ici. Et demain, revenez avec une nouvelle faim et une nouvelle soif pour encore vivre Dieu. Repartez dans la tranquillité, dans le recueillement, dans la méditation. Et éviter les entretiens inutiles. Nous ne sommes pas ici pour nous rencontrer. Et remerciez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et soyez dans la grâce du Seigneur. Et conservez dans vos cœurs ce que le Seigneur a fait ce soir en vous. C'est accompli, frère. C'est accompli. Il n'y a pas de place pour le doute. Seulement pour la foi. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Le nom du Seigneur soit loué et exalté. Alléluia. Chantons encore Alléluia. Sois glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Saluez-vous tous. Souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu. Amen. Chacun se salue. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.